Bonjour à tous, nous voilà pour un nouvel épisode. Alors j'ai pu remarquer que ça a poussé, c'est merveilleux, même ici. Alors ça veut dire que je vais pouvoir faire ça que je voulais. C'est juste que ça mettait vraiment du temps. Et vous avez pu aussi remarquer que j'ai rajouté une petite porte. Bah oui, parce que pour faire plus joli. On verra, peut-être des fenêtres, une cheminée, moi j'aime bien. Alors, j'avais miné et j'étais remonté, mais du coup maintenant que... Ah oui, bah j'ai du fer. Ça que je vais faire, un saut déjà. Vous allez voir pourquoi. 1, 2, 3. Prendre de l'eau. Voilà. Et oui. Bon, j'ai creusé ici, mais au final, on va pas faire comme ça. Ça va être plus pratique si je fais autrement. Alors, j'ai creusé tout droit, tout bêtement, en descendant en pic, et puis avec une cascade d'eau, et pour remonter avec la cascade d'eau. Alors, je vais faire un truc assez rapide. Hop, comme ça. Le problème, c'est que pour remonter, c'est pas évident. Alors, je réfléchis. Bon. Va pas se prendre la tête. Ah oui, bah oui, je fais n'importe quoi. non, 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 c'est bon. C'est juste... Non, bah non, j'étais bien parti. C'est juste que il va falloir que... Waouh, la vitesse que ça repousse. Alors... va faire un escalier en colimaçon. Je creusais tout ça pour l'instant. Voilà. Bah, je vais faire une éclipse et puis on se retrouve en bas. Voilà, nous nous retrouvons en bas de... Bon, il y a pas mal de minerais que je laissais sur la route, je vais les prendre en remontant, parce qu'il va falloir que je remonte, évidemment. Nous nous trouvons à la couche 5. Il y a... Bah 5 c'est conseillé puisque comme vous pouvez voir il y a de la baie de roc. Je crois que elle monte pas plus haut que la couche 5. Après c'est vraiment aléatoire. Elle monte, elle descend. Mieux s'arrêter à la couche 5 pour pas être gêné par la baie de roc. Bon, désolé, mais dès que je vois des ressources, il faut que je les prends. C'est plus fort que moi. Il y a encore du minerai de fer. J'ai là. Bon, le fer, on va pas cracher dessus. Il nous en faut, il nous en faudra.
toute façon, ça sera refait parce que là, c'est un escalier en colimaçon avec un trou au milieu qui monte, qui descend. Sinon, ce serait pas un trou. Et bah, vous verrez pourquoi plus tard j'ai fait ces dimensions-là. C'est 3 par 3. Ça sera pratique, enfin, ça sera utile pour plus tard pour la mine. À savoir si on l'a fait vraiment là ou pas. Pour monter ça. En même temps, on va voir si nos armes ont poussé. Hey, ça commence à bien pousser. Et puis il va falloir aussi, ouais, en faire une hache, ça sera pratique. C'est vrai que j'en avais déjà une, j'ai pas fait gaffe. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner de couper avec du gravier. Je vais baisser un peu la distance parce que je vois que les FPS descendent. On va mettre 6, on va bien. Et peut-être détailler, particules, oui. Oh, ça doit. Alors, on va se faire un coffre, parce que j'aime bien avoir tout à portée de main, sans pour autant aller chercher très loin. On va prendre ce... Hop. De la cobble, ouais, j'en ai sur moi. On va mettre ça là. Va mettre les haches. Bon, pour l'instant, on replante les saplings, on en aura besoin. C'est vrai que j'aimerais bien avoir. Ah, en voilà une. Il n'y a pas qui tombe dans l'eau, non? J'aurais pas vu. Bon, les arbres, bon, on va les laisser. Ils sont bien, comme ils sont. Alors, nous avons du bois. Trois coffres. C'est pas assez. Faut juste en fait. Oui, comme il y a déjà un coffre ici, je peux pas mettre. Je sais pas si je peux, je pourrais l'ouvrir. Oui, non. Bon, on va faire comme ça. Alors ici, on va mettre les minerais. J'ai dit les minerais, alors je prends un peu tout, c'est bon, c'est pas grave. Hop, minerais. Bon, on va mettre la stone ici. Non, j'ai pas dit ça, la stone. Bon, l'escalier, on va les mettre aussi. Ça aussi. Ah, ça c'est de la diorite et du granit. Ok. Le gravier. Ah, c'est vrai, il y a aussi celui-là. Ça s'appelle comment?
Andésite. Bon, ça, on va mettre là. Les minerais. Hop, hop. Les terres. Bon, les terres, c'est. Bon, tout ça qui est végétation, bois, on va mettre ça là-haut. Drop aussi. Le seau d'eau. Et les outils, on va les mettre là. Voilà. Bois, nourriture, drop, les portes, les minerais ici. Charbon, on risque d'en avoir, alors on va faire ça. Minerai fer ici. Ah, il y a du sable, c'est vrai aussi. Au lieu du mille vol, on va les mettre là. Parce qu'on a la tête pour l'instant. Le seau d'eau, bah, les outils, on laisse là. Ah bah, de toute façon, il va me falloir du bois, parce que pour ça que je voulais faire. Le bois, en gros, j'ai dit. Mais on va pas avoir assez de bois. Planche de chêne. On va retourner dans la mine, creuser un petit peu déjà. Oui. On prend ce bois, ça aussi. De la stone, moi bon, j'en récupère pas, c'est pas trop. Oui, si, si. Hop. Ah bah attendez. Le seau sera utile. Hop, ascenseur. Alors, si jamais vous voulez respirer, vous faites ça. Vous mettez une torche. Ça va vous faire une poche d'oxygène et puis ça va vous permettre de respirer. Bah, dis donc, ça s'arrête plus l'eau. Alors, vous faites ça. Hop. Et vous mettez l'eau là, à l'intérieur. Comme ça, la prochaine fois qu'on sautera, bah, on tombera directement dans la flaque d'eau. J'espère que ça va s'arrêter quand même. Tout peu. Ça va jusqu'à où? Ah, voilà. Donc, une fois qu'on avait ça, bah du coup on va aller par là. J'ai miné un couloir de 3 par 3. Dans un sens déjà. Normalement, ce serait même 4 par 4. Enfin, c'est pour le côté esthétique que c'est vraiment ça qui m'intéresse en priorité. Non, je dis n'importe quoi, c'est 5. Ah, il n'y a plus de pioche. Bon, c'est pas grave, j'ai du bois. On va se refaire une table de craft. Qu'on va poser là. Les sticks, j'en avais pris. Deux.
Je sais, il faudrait que j'en fasse d'autres, mais pour l'instant, je vais creuser. De toute façon, la table, elle est pas loin. Voilà. C'est ce que je vais faire, je vais creuser et puis on se retrouve après. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai creusé et puis comme vous pouvez voir, j'ai trouvé du diamant. Le problème c'est que j'ai rien encore pour le miner et puis c'est comme la redstone, l'or. Il va falloir que j'aille me faire une pioche en fer. Alors normalement, j'ai un peu de fer. Hop. Le four. Oh, ça devrait suffire. Ouais. On va se faire un coffre pour ranger un peu les ressources. Hop, hop. Bon, ça va prendre feu, j'espère. Alors. Alors, le temps que ça cuit. C'est assez rapide. De toute façon, il va falloir que je retourne chercher du bois parce que. Oui, c'est vrai ici. Tiens, moi je vais reboucher. Mon ferme. Bon, c'est vrai que c'est pas évident pour remonter, mais. On arrangera ça un peu plus tard. Que pour l'instant, il va me falloir pas mal de bois. Le temps que la ferme à bois, enfin j'appelle ça une ferme à bois moi, mais le temps que le bois pousse. Ah, elle est toujours ouverte cette porte-là. Ça, bois ici. Des sticks. Bon, de toute façon, il y a du fer ici, je crois. Ouais. 1, 2, 3. Le fer cuire quand même, parce que sinon, ça servira à rien. Ça sert. C'est 8. Alors, j'aime pas gaspiller. Oui, ouais, je suis bête, moi. J'ai plus compté. Alors, 3 charbons. Un charbon, je vous rappelle, cuit 8. Il faut 8 charbons, un stack. Enfin, ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. C'est des blocs de charbon. Déjà, ça prend moins de place. Mais. Non, je sais pas, attendez. Ah oui, voilà, il en reste un. Bon, normalement, ça cuit un stack, ça. Bon, ça cuit tranquille. On va faire notre pioche en fer, nous. On va les miner. Hop là. Et on redescend bas. Que j'oublie rien. Oui, bah. Oh, ça pousse vite. Je vais récupérer le bois. Comme ça, je vais pouvoir vous faire voir. C'est ce que je veux faire. Bon, par contre, un truc dans Minecraft, c'est les arbres gigantesques. À côté, c'est bien, mais. Qu'est-ce que c'est chiant à couper? Bon, je vais pas m'attarder dessus, je ferai ça hors vidéo. La vache, il y en a du bois. Ouais, j'ai entendu tomber dans l'eau. On voit pas. Ouais, 31.
Tiens, on va sauter. Ouf. Donc. Et je vais remplacer. Voilà. Plus parti comme ça. Et Dollar Stone. On jamais miné le bloc en dessous de soi. On sait jamais s'il y a de la lave en dessous. Ou une grotte aussi, ça peut arriver. Vous tombez de super haut, mais bon là vous me direz que la bedrock risque pas de tomber plus bas. J'aime pas laisser des trous. Voilà. Alors, 3. Oh, n'attaquez pas. Je vais le miner, ce diamant. Donc, ensuite, bah, il faudrait le miner comme ça. Enfin, miner. Je vais faire. Ça va faire joli. Bon, par contre, la bedrock, elle va gêner. C'est pas grave. Et ça va amuser pas mal de bois aussi, à vrai dire. Ce qui, évidemment, si on creuse pour de vrai comme ça. En ligne droite, bah, sans fondation pour soutenir la mine, ça risque de s'effondrer. Oh, du lapis, c'est nickel. Bon, je vais miner tout ça et puis mettre en place la structure de la mine et puis on va se retrouver après. Allez. Tadam! Oh, il y a plein de diamants. Huit diamants, n'est-ce pas magnifique? On va pouvoir se faire une pioche, une table d'enchant. Non, c'est un diamant, non, c'est deux. Et il restera encore trois. Pour faire une autre pioche, au cas où. Allez, ciao!